Quand on définit une équipe, je disais donc que c'est un ensemble d'individus devant accomplir une tâche commune. Moi, je vais m'efforcer d'expliquer ce qu'il faut pour que cette tâche commune qu'on doit accomplir soit accomplie et bien accomplie. Pour parler d'équipe, tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, on parlera ici des leaders. Ensuite, il faut un objectif. Quand l'objectif est clairement défini, tout ce que chacun va faire au sein de l'équipe, selon son talent, a un seul objectif. Tout doit concourir vers faire aboutir cet objectif. Mais pour réaliser un tel objectif, il y a des conditions, il y a des facteurs à mettre en œuvre. C'est l'engagement. Et l'engagement, il est libre. Quand tu t'engages, il faut que toi-même, tu saches que tu dois respecter l'engagement que tu as librement pris. Et on dit souvent, s'engager pour les autres, c'est s'engager pour soi-même. Le travail en équipe appelle à beaucoup d'efforts, à beaucoup de dépassements de soi, à beaucoup de dépassements de soi. Souvent, tout ce que tu dois faire doit être pour l'intérêt de l'équipe. Donc ça fait appel à quoi? Au sens du sacrifice. Par exemple, je ne crois pas que c'est parce que vous avez du temps à distribuer à tout bout de champ que vous êtes ici. Vous avez dû sacrifier un petit programme pour être là ce samedi. C'est ça. Vous devez sacrifier un programme, déplacer, aménager. Parce que vous vous dites, si je ne suis pas là, il y a un organe qui manque, il y a un manque. Qui va le faire? Mais dès le temps où toi, tu te dis non, dans tous les cas, si je ne suis pas là, l'heure et nous aura lieu, tu vois. Tu casses l'équipe. Donc, le sens du sacrifice. La disponibilité. Tu as décidé de te mettre au service des autres. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de vous, mais en général, quelqu'un qui fait trop attention à sa personne, il n'a pas le temps des autres. Donc, mais pour être disponible, tu dois avoir le sens de l'organisation et de la planification. Parce que gérer la famille, mais en même temps, te rendre disponible pour l'équipe. C'est pourquoi on parle de sacrifice et de disponibilité. Ce travail-là ne se fait pas en dedans de si. Aujourd'hui, tu es content, tu viens. Demain, tu n'es pas content, tu ne viens pas. C'est pourquoi on te parlera de constance. Ça, c'est important. La constance d'un travail d'équipe. Tu es prêt à faire des sacrifices? Et quand je parle de sacrifice, c'est à tous les niveaux. Hein. La contribution à la réalisation d'un objectif. C'est le temps que tu donnes. Mais aussi souvent, le geste difficile à faire, c'est de sortir quelques pièces. Chers amis, que cela vous guide partout où vous êtes. N'attendez pas d'avoir trop pour contribuer. Donc, nous, on doit donner l'exemple. Donc, l'exemplarité. C'est pour ça que nous devons travailler. Parce que c'est nous que les autres regardent. C'est parce que là où tu es, tu influences. Là où tu es, tu impactes. Bref, je voudrais vous dire dans cette équipe-là, il y a des qualités qu'on attend de vous. Et puis, chacun a un talent. Mais c'est les talents dans leur diversité, là, qui font une force. Donc, la complémentarité. Voilà. Là,
la complémentarité. Ce que l'un peut faire, l'autre ne peut pas le faire. Vous mettez ensemble. Si on a le même objectif. Donc tout ça, donc on peut dire ça. La première richesse, c'est d'abord l'homme. C'est lui qui produit, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui rend en action, c'est lui qui traduit en action. Mais pour arriver à tout ça, il y a un facteur important, c'est la confiance. La seule chose qui nous lie ici et qui nous permet de parler librement, sans réserve, c'est la confiance. La seule chose qui te permet d'avancer sans calcul, ça s'appelle la confiance. Pardonnez, vous n'enregistrez pas. Moi, je lui rappelle quelqu'un qui est venu me voir pour me parler d'une conversation qu'il a eue avec un membre du cabinet ou tout, venu avec des vocaux. Il dit, je n'écoute pas. Pourquoi? Il dit, mais est-ce que moi j'étais nommé comme renseignement général? La personne était, il dit, par principe, en Mbappé, je n'écoute pas. Sinon, j'encourage que vous vous exprimiez. Pardonnez, si vous parlez à votre camarade, si tu veux l'enregistrer, même si tu veux le mettre sur haut-parleur, dis-lui. Dis-lui, ah, camarade, dès cet instant, comme je suis avec telle personne-là, je vais te mettre sur haut-parleur. La personne sait quoi dire, quoi ne pas dire. Mais tu parles avec ton camarade et puis tu l'enregistres. C'est malsain, voilà. C'est un manque d'éducation. S'il n'y a pas un minimum de confiance, on va où? C'est pourquoi la confiance est importante. Ce que je dis là, c'est très important dans la gestion d'une équipe. Et puis, il y a le respect. Quand vous vous parlez, respectez-vous. Vous n'êtes pas en guerre. Vous vous parlez comme si vous êtes en guerre. On n'insulte pas un camarade. Ce n'est pas une joie d'insulter un camarade. Ce n'est pas une gloire non plus. Surtout quand on est une équipe politique. Parce que l'autre, tu dois rendre son esprit disponible et disposé à t'écouter. Souvent, tu finis de parler avec un ami même, un camarade de lutte. Et puis quand tu vas demain, tu dors bien. Le seul fait qu'il t'a écouté, le seul fait qu'il t'a respecté, ça t'apaise. Parce que pour grandir, tu n'es pas obligé de rendre les autres petits. Parce que pour être propre, tu n'es pas obligé de salir les autres. Ça ne te grandit pas, ça ne te rend pas propre. Donc, le respect, c'est important. J'ai voulu vous parler de ça. Pour que vous sachiez ce qu'on appelle travailler en équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. L'éducation par l'exemple. C'est ce que moi j'ai voulu faire. Un a levé le doigt ici. Vous dites que moi, je n'ai pas manqué. Jamais. Ce n'est pas en écrivant, en appelant, que moi, je l'ai fait. N'est-ce pas? Mais c'est en agissant, en vous donnant de l'amour, en vous donnant de la considération à chacun. J'ai toujours le temps pour chacun de vous. C'est pourquoi vous regardez ça, pour aussi avoir du temps et de la considération pour votre prochain. De par mon attitude, je veux que vous soyez à mon image. Nous sommes en quête pour changer une société. Mais le changement, là, commence par nous-mêmes d'abord. Je veux que quand ce qu'on proclame comme valeur, on puisse l'incarner, le porter. Quand on est responsable, on doit avoir une attitude responsable. Un responsable ne parle pas mal tout de suite. Tout de suite, lui parle mal, puis il est content. Ah, mais je lui ai dit la vérité.
Tu ne lui as pas dit ta vérité, tu l'as offensé. Tu as offensé ton ami. Moi, l'appel que je peux lancer ce soir-là, donnez-vous de l'amour. Voilà. Et puis soyez tolérant. Soyez tolérant. Rejoignez-nous au projet.